shall we? Well, then maybe. Martin, t'aurais dû voir le gamin arriver. Il est 18h, presque l'heure de pointe, et ce petit con débarque une balle dans le buffet. Il y avait du sang partout. J'ai dû fermer une heure pour tout nettoyer. Écoute, Richie, du calme. On est là maintenant. Je le sais, mais ça me fait de la peine pour le gamin. Il est jeune, il a fait une connerie, il a bossé avec qui il ne fallait pas. Et maintenant, il est chez moi. Donc faites ça rapidement dans les chiottes de sa chambre. Mais par pitié, pas de bordel. Ne t'inquiète pas, on compte pas faire ça chez toi. Écoute, on va faire comme si c'était une journée normale. Je vais venir m'installer, tu vas venir me servir mon café noir et le journal du jour, comme d'habitude. Tu iras taper à sa porte, tu lui demanderas de descendre. Et Chris viendra lui mettre les menottes, discrètement, en silence. Et personne ne verra rien du tout. T'es sûr? Personne ne verra rien? Sûr, à 100%. Ok, pas de bordel. Pas de bordel. Merci bien. Merci. Oh, c'est pas vrai. Mais tu recommences encore, hein. Tu sais qu'on est en 2023. Viens, je t'achète un téléphone. Comme ça, tu pourras lire tes news en direct. Je suis vieux jeu. Mais oui, mais ça, je le sais. T'arrêtes pas de me dire. Alors fais en sorte que ça rentre dans ton crâne. Non, mais attends, tu te rends compte quand même que du temps que ton papier soit imprimé, t'as au moins raté 10 news qui viennent d'arriver. Oui. Et demain, je serai au courant des nouvelles du jour. Ok. Ok, d'accord, papy. Ah, mais attends, voilà, regarde. Attends, le président américain, il vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Là, maintenant, ça vient de tomber tout de suite. Le journal du jour a l'air prometteur. C'est bon. T'as gagné, papy. Et tu te souviens de ta première fois? Laquelle? À ton avis. C'est donc du stress? Quoi? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour me préparer mentalement. Tu ne seras jamais prêt mentalement à ça. Mais une fois que tu l'auras fait, la première fois, ça ne te fera plus rien. Oui. Merci. Ça m'aide un peu. La première fois, c'est le mec qui m'a tout appris. On avait des doutes sur sa relation avec les poulets. Alors, pour être sûr, le boss a mis un gars à lui sur le coup. Car il se trouve qu'effectivement, certains soirs, au bar, il donnait quelques noms. Alors, il m'a envoyé moi, pour voir si je n'étais pas un indic. Je suis arrivé comme si de rien n'était, car on devait voir le match ensemble. Il ne se doutait de rien. Il a lancé le match, il a ouvert deux bières. Puis au milieu d'une action, je suis allé aux chiottes pour pisser. J'ai vissé mon silencieux. Je suis sorti
Et je lui ai vidé mon chargeur dans le crâne. Tu voulais savoir la première fois? Tu le connais maintenant. Triste pour lui. C'était un indique. Ouais. Mais bon, il ne saura jamais si on a gagné ou pas. T'es con, là. Promets-moi un truc. Si un jour tu dois me flinguer, tu le feras à la fin du match, s'il te plaît. Promis. Vous êtes le flic? Rassuré? Ouais. J'ai les jetons. Mais calme. Ok. Bon, écoute, t'as l'argent? Ouais, c'est dans le sac. Ok. Combien? Y a tout, j'ai juste payé la chambre, quoi, avec. Combien tu l'as payé? 60 balles, mais on peut y aller, là, parce que plus j'attends, plus j'ai de chance de me le faire exploser, bon, écoute, la gueule. Calme-toi, ok? Voilà. Bon, j'ai un plan. Voilà ce qu'on va faire. Ton sac, je vais le prendre en premier. Ensuite, je vais te passer les menottes tout doucement pour éviter d'effrayer la clientèle de ce bon vieux Ricci. Tu comprends? Ensuite, on va sortir tranquillement en direction de la voiture et on ira là-bas tout doucement. Ok? Ok. Compris. Ok. Dans le sac. T'as toujours ton arme? Elle est dedans. Ok. J'ai hyper mal. Ton porte-monnaie, t'en as un? Poche gauche. Ça, c'est pour le déjeuner et le pourboire pour Ricci d'avoir sauvé ta peau. Les gars, on n'est pas au commissariat, là. On est dans un putain de parking. On est dans un putain de parking. Vous êtes pas flic, c'est ça? Vous êtes pas flic. T'as fini? S'il vous plaît. Il t'a tombé que j'ai merdé. Alors deux choses. S'il vous plaît. Fais ça clairement, ok? Deux choses. Une, on n'est pas flic. On est là parce que malheureusement, t'as foiré ton braquage. Mais le pire, c'est à qui tu l'as fait merder. Tu t'en es pris au mauvais gars? Mais oui, le genre de gars capable de tuer son père devant les yeux de sa mère, c'est un genre de gars que tu l'as fait. Tu vois le genre? Mais t'inquiète pas. La deuxième chose, c'est ton jour de chance, mec. Mais ouais, c'est son putain de jour de chance. Ouais. Vous allez me sauver. Tu sais pourquoi? C'est ton jour de chance aujourd'hui. Vous allez me laisser partir aussi. Non, on va te buter. Ça pique un peu, mais c'est rapide. T'inquiète, tu sentiras rien. On connaît ça. S'il vous plaît, les gars, je vous en supplie. Je tirerai rien. Je vais partir, s'il vous plaît. Et vous. Non, s'il vous plaît, les gars. Non. Les gars, s'il vous plaît, je dirai rien, putain. Non. S'il vous plaît, laissez-moi partir. S'il vous plaît, laisse-moi. Non.
C'est bon pour toi? Bienvenue dans la famille Fiston.